Bonjour à tous, je suis Didier Navarrete, formateur professionnel en MAO depuis 2010 sur le site www.tuto-mao-guitare.com. Je suis très heureux de vous retrouver pour un tutoriel sur le PC12 de chez Faderfox. Je tiens d'ailleurs à remercier Mathias de chez Faderfox pour m'avoir permis de réaliser ce tutoriel. Si vous me suivez régulièrement, eh bien sur mon site, j'ai déjà fait un tutoriel sur le MX-12, qui est un très bon produit, plus axé mixeur que ce PC-12, qui est vraiment fait pour le contrôle avec potard. Mais on retrouve des similitudes et également, surtout, on va pouvoir connecter et chaîner ces deux modules, parce que ça s'appelle des modules, le MX-12 et le PC-12. On peut les connecter très simplement sur le côté avec un port de type RJ45. Le PC-12 offre pas moins de 72 potards en 7 bits, également 12 petits boutons verts avec LED et qu'on pourra utiliser comme switch ou comme bouton momentané. On retrouve également un encodeur avec une fonction push, c'est-à-dire qu'on peut appuyer dessus pour accéder à plein de fonctions également. On dispose également, et bien ça j'ai trouvé ça vraiment bien, d'un cache recto-verso, hein, fourni avec un stylo pour écrire dessus, et c'est effaçable. Et on peut écrire tout ce qu'on aura assigné aux pas moins de 72 potards, encore une fois, c'est assez énorme. Le PC-12 se connecte à l'ordinateur via un port USB et d'ailleurs il s'alimente également via ce port USB. On retrouve également toujours sur le côté deux entrées et deux sorties MIDI 5 broches, hein, si vous voulez connecter à votre matériel hardware qui dispose de ces ports. Également, il faut savoir que sur le site de Faderfox, je vous conseille d'y aller parce qu'on peut personnaliser ce module, hein, le PC-12, mais aussi le MX-12, grâce à des changements au niveau des capuchons, des potards, changements avec des couleurs, etc. Il faut savoir que l'encodeur est cranté et en résolution à 14 bits. On va retrouver un écran pour l'affichage des valeurs et également pour le setup, pour les données de programmation. Donc c'est un écran qui peut afficher 4 valeurs. Ces plages de valeurs, elles sont complètement programmables avec des valeurs minimum et maximum ou avec du snap, on le verra également. On pourra assigner toute une rangée, une même rangée du PC-12 via une seule commande MIDI. Ça va incrémenter, donc ça c'est très pratique et rapide.
Alors, on va retrouver comme contrôle, eh bien, des notes on, off, mais aussi des programmes change, du pitch bend, de l'aftertouch, des CC, control change. On va pouvoir, sur la programmation, faire des copier-coller également. On retrouve 30 emplacements pour sauvegarder et rappeler, eh bien, ces mappings, ces configurations. On a accès également à la mise à jour du firmware via ce qu'on appelle les SysX. Et encore plein d'autres choses en finition, hein, c'est très bien conçu, c'est solide, c'est joli, c'est très agréable au niveau des potards pour les manipuler. Donc c'est vraiment un matériel avec une construction et une finition très soignée. Je vais vous montrer comment configurer le PC12 avec le séquenceur Ableton Live 10 et vous allez voir, c'est tout simple. D'abord, vous vous rendez sur le site de FaderFox pour télécharger ce fichier-là qui s'appelle FaderFox Universal. Vous faites un copier, donc commande C. Vous allez dans vos applications. Vous retrouvez Ableton Live 10 Suite, vous faites un clic droit, afficher le contenu du paquet. On va dans Content, on va dans Après Source, et on a le dossier MIDI Remote Script. Et là, vous faites Command V pour coller. Vous voyez, moi je l'ai déjà fait, il est ici. Une fois que vous avez fait ça, et bien c'est quasiment terminé. Dans Ableton, vous allez dans les préférences. Link MIDI. Ici dans la liste, eh bien, vous allez retrouver votre FaderFox Universal. Voilà, vous choisissez le FaderFox PC12 en entrée et en sortie, pourquoi pas, et vous l'activez également ici. Vous avez l'input et l'output. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, c'est juste du mapping. Exemple, je clique sur MIDI ici.
J'ai pas eu de soucis de ce côté-là. J'ai plus un souci d'aller voir ce qui est écrit, par exemple, là-haut, si je suis, voyez, comme positionné là pour le tutoriel, c'est-à-dire le PC12 à plat. Par contre, en le mettant penché, eh bien là, il n'y a plus ce problème-là. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais vous voyez, dès que je touche un bouton, hein, j'ai sa valeur ici. Et si je reviens en MIDI, voilà, on voit ici les valeurs. Donc je peux bien sûr changer ces valeurs, hein, plus ou moins fortes, directement sur le logiciel, par exemple. Donc voici comment le configurer avec Ableton Live 10. Parlons du mode contrôleur avec la fonction Snap et Shift. Alors, pour vous montrer, hein, j'utilise toujours le Torn de Dmitri Scheiss, très bon synthé virtuel. Alors, je vais assigner le premier bouton ici au Harmonic Filter. Donc, je fais un clic droit, Start MIDI Learn. Voilà, mon bouton est assigné. Maintenant, admettons que je souhaite. Nous avons également des fonctions spéciales avec le bouton Shift. Donc, quand j'appuie sur Shift, vous voyez qu'ici j'ai des boutons avec des numéros 1, Setup, 2, Routing, 3, Spécial, 4, Copy, 5, Paste, 6, Reset, 7, Send, 8, Resume, 9, 7, X9, 7, X10, X0, pardon. Alors là, on a Monitor. Donc vous voyez, ça désactive l'affichage du Monitor. Je refais Shift. Regardons maintenant le mode édition qui là aussi est un mode. Et qu'est-ce que je peux faire? Bien, je vais revenir sur mon potard 1A. Et je peux appuyer sur ce bouton. Et là, je vois que je suis en mode standard. Alors, on l'a vu, hein, je vais rafficher mon plugins. Donc, mon bouton ici, voilà, il est ici. Donc là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai le CC. Donc, c'est en Control Change, mais je pourrais passer en Programme Change, en Pitch Bend, Aftertouch, ici, et en Note, bien sûr, Note On, Note Off, par exemple. Je vais vous illustrer maintenant la fonction jump et la fonction snap. Alors, je vais mettre d'abord en fonction jump. Là, je sors du mode d'édition. Ici, on a tout simplement le. Ici, eh bien, on va déterminer la valeur minimum. Quand je suis au minimum, ici, je suis à 0. Mais je pourrais dire, eh bien non, je veux être au minimum, je veux être à 50. Et en maximum, voilà, le bouton ici, il est à 127 en maximum. Eh bien non, je le voudrais jusqu'à 100, par exemple. Donc là, si je quitte le mode Edit, donc là, vous voyez qu'au maximum, je vais au maximum physiquement, mais vous voyez que ça s'arrête ici, là. Et au minimum, physiquement je suis au minimum, mais ça s'arrête ici. Donc ça c'est aussi très pratique. Très bien, alors je vais revenir en valeur minimum 50 et en valeur maximum 60.
Et j'aimerais maintenant que tous mes autres boutons de la même rangée utilisent cette valeur de low et high. Et bien, tout simplement, ce que je fais, je presse un appui long sur low. Vous voyez, ça va être envoyé aux autres boutons et sur high ou sur upper, haute. Voilà. Et bien, mes autres boutons si je les assigne, donc par exemple ici. Regardons le mode setup. Donc pour activer le mode setup, on appuie le bouton rouge et le bouton bleu, on est en edit, et encore une fois, on passe en setup. Et le premier bouton ici, setup, eh bien, me permet de choisir setup 1, 2, 3, jusqu'à 30 setups. Le bouton spécial nous permet d'avoir un duplicate. Donc ça va dupliquer toute la colonne 1 sur la colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On avait vu... Nous avons ensuite le bouton copy qui va nous permettre de copier tout le setup sur un autre setup vide, un emplacement vide. On a ensuite une fonction de reset. Donc on va et nous avons donc paste pour coller, c'est-à-dire on a le copier pour copier et le coller pour coller tous nos réglages. On a le bouton Send, on Send C, donc ça va envoyer tous vos réglages, ici, que vous avez fait, en ce qu'on appelle Sysex, donc pour après les importer, par exemple. Terminons ce tutoriel sur le PC12 avec les réglages d'usine. Alors, quand j'appuie deux fois, je suis en mode edit et encore deux fois, je suis en mode setup. Et j'ai des setups, donc on va dire de 1 à 20, puis de 22. Alors, vous voyez que je saute le 21. Pourquoi ? Parce que le setup 21, il est fait pour un mapping déjà configuré pour l'Electron Rhythm. Donc si vous avez une Electron Rhythm, vous pouvez utiliser le setup 21. Et donc ensuite, on aura de 22 à 29, donc réglages normaux avec des control change, hein, comme pour le 0 à 20. Et on a le setup 30 qui lui est dédié à Ableton Live, donc c'est une configuration. Et là, c'est pratique, hein, tout est configuré. Vous voyez, les boutons, ça active, désactive les pistes. Alors, je pourrais avoir hein, 12 pistes. Là, j'en ai deux pour mon exemple. Voilà, le bouton dessus, les volumes. Donc, j'ai fait aucun mapping. Hein, c'est déjà préétabli. Ici, les...